Bonjour! À l'approche du temps des fêtes, le service incendie de la Ville de Laval souhaite vous rappeler quelques petits conseils pour éviter que votre Noël parte en fumée. En commençant, un sapin naturel, c'est beau, ça sent bon, mais c'est aussi très inflammable et c'est pourquoi on veut le garder humide et éviter de placer des chandelles ainsi que des articles de fumeur à proximité. Il vous manque de prises électriques dans votre salon pour éclairer votre sapin de Noël et votre village de Noël? N'oubliez pas d'utiliser une barre multiprise homologuée pour éviter la surcharge. De plus, des cadeaux trop près, un sofa déplacé pour faire plus de place ou même la pile de manteaux des invités peuvent causer un incendie si la distance sécuritaire de 3 pouces d'une plinthe électrique n'est pas respectée. Si une fondue est prévue au menu, n'oubliez pas de prévoir un deuxième brûleur ou d'attendre que votre brûleur soit refroidi avant de le remplir à nouveau pour éviter que celui-ci s'enflamme par lui-même. Les foyers au bois sont souvent très populaires en cette période et c'est pourquoi le service incendie de la Ville de Laval vous rappelle de jeter vos cendres dans un contenant incombustible à plus d'un mètre de tout matériau combustible et d'attendre au moins 7 jours avant de les jeter à la poubelle pour s'assurer que vos cendres soient complètement refroidies. En terminant, il est très important de garder un œil sur la cuisson de votre fameuse dinde si vous ne voulez pas que les pompiers s'invitent chez vous pour Noël. Le service incendie de la Ville de Laval vous souhaite de joyeuses fêtes et n'oubliez pas, le premier responsable, c'est vous!